Bonjour à toutes et à tous, vous êtes de retour avec Gecko pour un nouveau gameplay d'un lézard. Et aujourd'hui, nous allons jouer sur un jeu qui m'a stimulé pendant vraiment, vraiment longtemps. Et voilà. Donc, je voulais absolument faire ce jeu et nous voilà sur Portal 2. Alors, pourquoi Portal 2 déjà et pas le 1? Tout simplement parce que moi j'ai commencé par lui et je le trouve largement meilleur. Bon, il est plus long, il est plus travaillé en fait que le premier opus. Et donc Portal 2 qui est un jeu qui a été créé en 2011, enfin qui est sorti en 2011 et qui faisait suite à Portal qui était lui sorti en 2007. Donc ce sont deux jeux qui ont été créés par Valve. Valve, hein, qu'en général on ne présente plus, hein, Half-Life, tout ça, tout ça. Enfin voilà. Donc sans plus tarder, on va parler un petit peu du début, parce que là j'ai passé toute la première partie, tout ce qui est mise en place, tout ça. Alors faut savoir, déjà on va résumer un peu Portal 1, et je vais en parler en commençant à jouer d'ailleurs. Portal 1, donc le concept de Portal, c'est un centre, voilà, un centre qui s'appelle Aperture Science. Et dans le 1, vous vous retrouvez dans ce centre à faire des tests pour un robot qui s'appelle GLaDOS. Donc vous êtes un personnage donc une femme en l'occurrence qui s'appelle Shell. Et donc dans ce premier opus, Portal, vous faites des tests pour un robot qui s'appelle GLaDOS et qui dirige en fait, qui contrôle le centre d'Aperture Science. Et au bout d'un moment, donc là je l'ai pas encore, mais on va avoir une arme qui va nous permettre de créer ces portails-là, ces portails dimensionnels qui nous permettent de passer à un endroit à un autre. Et évidemment, voilà le concept principal du jeu, c'est le concept des portals, des portails. Donc je disais. Tiens, là on peut se voir d'ailleurs, voilà, hein. Ça va jouer beaucoup, hein, le concept des portales, des portails, on peut se. Voilà. C'est vraiment bien foutu comme système. Donc je disais quoi? Je disais quoi? Je disais que donc dans Portal 1, on faisait des tests pour un robot qui dirigeait le centre. Donc le but dans Portal 1, évidemment, c'était de tuer le robot. Et donc on fait les tests jusqu'à un moment où on a l'opportunité de s'échapper. Et finalement, donc, on se retrouve face à GLaDOS. Et après un combat acharné, on arrive enfin à l'abattre. Après ça, Shell va tomber, va être mis en biostase, c'est-à-dire que c'est un peu comme une cryogénie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle va rester endormie pendant un certain nombre de temps, et au vu de l'état de la chambre dans laquelle elle se réveille, c'est pendant très longtemps. Et quand elle se réveille, c'est ce qu'on voit au début du jeu, si vous jouez un jour, hein, on a un petit robot qui s'appelle Wesley, qui est attaché au mur, qui se déplace sur des rails en fait, qui vient vous voir et qui en gros vous évite la mort, hein, puisque apparemment le centre faisait une sorte de lavage. Voilà. Il vient vous chercher et il vous aide à, entre guillemets, vous échapper. Il va vous emmener donc dans cet endroit ici, voilà, dans cet endroit-là, pour aller chercher le portal gun qu'on verra après. Pour le moment, là, on apprend un peu les gestes de base, donc à savoir, voilà, que ces petits cubes, quand on doit appuyer sur un interrupteur, ça va ouvrir les portes, etc. Ça, on vous apprend un petit peu les systèmes du jeu principaux. Et donc tout le jeu est basé sur des petits tests. On va faire des salles de tests. Vous allez voir, hein, ça va aller très très vite. Et donc c'est un jeu de casse-tête. C'est un jeu qui demande un peu de réflexion. Et c'est évidemment ça personnellement que j'ai adoré, hein. C'est vraiment un jeu qui peut parfois vous creuser les méninges. Enfin, il va falloir que vous creusiez les méninges parfois pour trouver les solutions. Voilà, donc les portails là se créent automatiquement, plus pour très longtemps. Alors dans un premier temps, il me semble qu'on va pouvoir
qu'on va pouvoir ne créer qu'un seul portail. Là, après, on doit aller là, hop. Et par la suite, évidemment, on aura un portal gun amélioré qui nous permettra de construire les deux. Alors, bah évidemment, on va aller un peu plus loin, on va pas s'arrêter là. Que dire d'autre sur ce jeu? Alors, dans Portal 1, que j'ai trouvé assez court, GLaDOS vous dirigeait tout le long du jeu, en quelque sorte. Ici, à un moment dans le jeu, vous allez tomber dans les anciens locaux d'Aperture Science et vous allez avoir un autre guide, en quelque sorte, une autre personne qui va vous faire les tests. Et j'ai trouvé ça assez, vraiment sympa, parce que c'était la grosse innovation du 2, c'est que dans le 1, on est constamment dans le monde Aperture Science moderne, et donc dans Portal 2, là, la grande évolution, ça va être ce monde un peu passé, c'est l'ancien Aperture Science dans lequel on va se trouver, et il va y avoir des nouvelles armes, entre guillemets, puisqu'il va y avoir un système de peinture qui va avoir des effets. Voilà, le portal gun qui devrait être là, qui devait être là. Donc c'est assez chaotique, et en fait, donc, j'ai pas dit encore ce qui allait se passer là dans quelques instants. On va se retrouver, donc voilà le portal gun. Et donc voilà, voilà comment on crée les portails. Donc bah, par exemple, je vais créer un portail ici, vous voyez, et je vais donc passer le portail bleu pour aller là-haut. Ah, bah voilà, en plus j'y arrive pas. Bref, voilà, et je suis donc là-haut, et donc tout le jeu repose là-dessus. Allez, on avance. Donc je disais, là, dans quelques instants, il va se passer quelque chose, donc nous avons... entre guillemets, tuer GLaDOS dans le premier opus du jeu. Et évidemment, il va se passer quelque chose. On va pas juste faire des tests pour le plaisir. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Donc, vous verrez hein, qu'il y a des centaines de façons de s'amuser dans ce jeu, entre guillemets. Enfin, des centaines, peut-être pas, mais j'abuse un peu. Mais bon, évidemment, on s'amuse toujours à tester un peu, voir quelles sont les limites des portails, faire des portails infinis, essayer de se voir. Enfin, voilà. Et bah, c'est drôle à faire, quoi. Ah bon, après, vous y passez pas non plus des heures, mais... Mais bon, en tout cas, je recommande ce jeu pour tous ceux qui aiment un peu se creuser la tête, se casser la tête, ou se creuser les méninges. Donc là, on entend une voix qui nous parle de test. Alors, c'est on va dire que c'est la voix de base, hein. C'est pas vraiment lui qui va nous faire... Ah oui. C'est pas lui qu'on va avoir tout le long du jeu. Donc évidemment, là c'est le début, on apprend surtout les manipulations, c'est relativement simple. Ok, je me suis fait avoir. Il est où le deuxième? Il est là. Alors. Là, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer là. Non, pas encore. Mais on verra ça plus tard. Hop. Je fais que des conneries. Ben non. Des fois, je me sens débile. Vraiment. Eh, vous allez avoir aussi quelques petites salles cachées un peu comme ça, voilà, dans le jeu. Donc à vous de les trouver. Alors évidemment, celle-là, elle n'est pas vraiment cachée, mais il y a des petites salles avec des messages sympas, des références. Alors pour petite information, le...
Le jeu Portal 1 se passait. Alors évidemment, Valve a un univers assez grand. Le jeu Portal 1 se passait en même temps que le jeu Half-Life 2, auquel je n'ai jamais joué d'ailleurs. Je devrais peut-être m'y mettre parce que tout, j'arrête pas d'en entendre parler de tous les côtés. Et Portal 2, donc comme ça se passe longtemps après, voilà, ça c'est aussi longtemps après Half-Life. Mais en tout cas, vous pourrez forcément dans ce jeu retrouver des clins d'œil à l'univers de Valve. Alors ce jeu, tiens, j'y pense parce que j'entends le robot parler, ce jeu contient un humour assez développé, on va dire. C'est évidemment un casse-tête, mais ce jeu ne serait rien sans son humour, parce qu'il faut savoir que GLaDOS dans le 1, et vous allez le voir dans celui-là aussi, a un humour vraiment, vraiment sympathique. Elle se fout de votre gueule tout le long du jeu, en fait, et c'est cool. Ça met une petite touche de. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben si, c'est ça. Ah, mais il est là. Je l'ai même pas vu. Ça y est, je me souviens. Bref, donc oui, je disais, ce jeu a bon nombre de qualités, je trouve. Notamment donc son humour et aussi, je vais me faire avoir sans arrêt. C'est mieux. Notamment donc son humour et ses musiques. Moi j'ai flashé, vraiment flashé sur les musiques de Portal 2. Si, alors je sais pas si on en entendra beaucoup là au début du jeu, mais si vous avez l'occasion d'aller écouter sur YouTube des OST de Portal 2, c'est vraiment vraiment une bonne expérience. Donc évidemment, Portal 2 se passe dans un futur assez lointain. Et dans ce jeu, vous allez découvrir les locaux d'Aperture Science. Vous allez voir donc à plusieurs reprises, vous allez vous échapper des salles de test. Et vous allez voir que le monde est vraiment chaotique. Et sans vous dévoiler la fin, alors la fin de Portal 2 a été sujette à énormément de rumeurs. Hein. Puisque. Alors, attention spoiler, hein, ceux qui ne veulent absolument pas écouter ce que je vais dire là, passez un peu plus loin. Hein. Et donc, je disais, puisque à la fin, vous allez battre GLaDOS pour une seconde. Enfin, non. Qu'est-ce que je raconte? Vous allez battre Weasley qui, en fait, va se retourner un peu plus tard contre vous, avec GLaDOS d'ailleurs, et GLaDOS va vous laisser partir. Et donc vous allez voir la lumière du jour pour la première fois. Et ça fait des frissons. Enfin bref, tout ça pour dire que cette fin a été sujette à de nombreuses rumeurs que vous pouvez découvrir sur le net en parcourant un peu les liens. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je parle et je réfléchis même pas en fait. Voilà. On va aller jusqu'un peu plus loin là, et puis après on va arrêter la vidéo. Je vous laisserai découvrir le jeu par vous-même parce que ce jeu vaut vraiment, vraiment le coup. C'est dur de parler en réfléchissant. C'est extrêmement compliqué.
Même quand les choses sont simples en plus, hein, c'est. Alors voilà, on va jouer beaucoup avec l'inertie aussi, comme vous venez de le voir. Plus vous allez sauter de haut, plus vous allez aller loin quand vous passerez un portail. Et il y a énormément de. Le gameplay se base beaucoup, beaucoup autour de ça, parce que le système des portails est vraiment excellent et très très bien fait. Où est-ce qu'on doit aller? On doit aller là. Hop. Faisons donc cela. Here we go. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir était susceptible de commencer avec vous, suite à une barre mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Voilà, donc l'humour des robots. Enfin, pour eux, c'est pas de l'humour, ils ont simplement, comme ce sont des robots, et ça s'est déjà vu, hein, c'est pas nouveau. Mais ils n'ont pas ce côté sentimental, ils peuvent vous dire n'importe quoi sans problème. Du coup, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment bien tourné. Et donc voilà Weasley qui nous a libérés au vous début. avez vraiment trouvé un générateur de portail. Comme quoi c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents, lobotomisés, On va pas. Si c'est pas vous quand même. Placez un portail sur le mur derrière moi et je vous retrouve de l'autre côté de la pièce. Voilà. Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrai. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prêts à me rattraper, au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. À trois. On y va? Un. Deux. Trois. C'est trop haut même, non? Enfin, bon, quand on y va à 3, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à 1 ce coup-ci. Allez, on est prêts? 1. Survivre! Ah! Qu'il est con ce robot. Je suis pas mort. Pas mort! Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez essayer. Où ça? Ici. Ah, là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, excusez-moi, j'ai perdu non, quelques mais je trucs. Présente pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde? On a des petits trucs comme ça, c'est marrant. Allez. Bon, allez, ok, je me retourne. C'est bon, vous pouvez vous retourner. Paf! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Ah ben c'est. Et c'est parti. Et voilà, donc on découvre une première fois je suis un peu les. Du dictame du rail. Oh, c'est formidable. On peut aller où on veut. Où est-ce qu'on va au fait? Ah, attendez que je me repère, il faut que. Qu'on suive le rail. Oh non! Alors voilà les. Surtout les croisés Cette chose. Merci, ça va. Cette chose avec le laser rouge, c'est une tourelle. Une tourelle, c'est donc une arme, donc c'est un petit robot qui dispose de mitraillettes et qui effectivement fait partie un peu des obstacles, comment dire, des niveaux. Voilà, vous allez avoir les portails à faire évidemment, mais parfois vous allez devoir éviter des tourelles, vous allez devoir faire quelques petits trucs, éviter des eaux dégueulasses en fait, dans lesquelles vous vous noirez immédiatement. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de qui vous savez. Et si jamais elle est en vie, elle va sans doute nous tuer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber. On n'a qu'à rester tranquille ici. Pour toujours. Je vous laisse écouter. Choix A, rester tranquille ici. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer si elle est vivante. D'accord, je vais jouer carte sur ça. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Et vous savez qui a fini par la désactiver? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une autre période pendant laquelle il s'est absolument rien passé. Et je sais plus du tout. Qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien.
descendez cet escalier. Sautez. En fait... Ça passe. Ça passe. Formidable. Vous m'avez agrippé. Ah oui, alors elle a un système de... de ressort à ses pieds qui lui permet de sauter de hauteur assez impressionnante, hein, donc qui fait que vous n'allez pas mourir en fait quand vous tomberez de haut forcément. Donc évidemment de celle qui était folle dingue un petit peu, hein, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est GLaDOS. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord? Et vous allez me dire que je me répète, je vous laisse avec la suite. Ne touchez à rien. Vous le voyez quelque part? Parce que moi, pas. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. Que la lumière soit. Dixit, Dieu. Je citais Dieu. Ah, regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise. Ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh oh. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Ah, il y a un mot de passe. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, ma maman m'a beaucoup occupée. Vous savez, depuis que vous m'avez assassinée. Depuis quoi? Oh non! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différends de côté, pour le bien de la science. Sale monstre. Alors je suis désolé, la vidéo bug un peu, je sais pas ce qui se passe avec mon logiciel en ce moment, mais ça bug tout le temps. C'est la qualité, enfin, la qualité est trop élevée, pourtant je l'ai baissée, mais ça continue. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Et voilà, et tout va recommencer... Donc voilà le principe de Portal 2, c'est GLaDOS se réveille et vous allez recommencer à faire des tests. Et donc évidemment les premiers seront simples, les autres un peu plus durs. Là vous allez récupérer le Portal Gun avec deux portails. Donc le orange et le bleu que vous allez pouvoir activer avec les gâchettes, etc. Et tout repose là-dessus. Alors je vais m'arrêter là parce que ça commence à laguer beaucoup et voilà. Je conseille ce jeu à tous les amoureux de casse-tête, à tous les amoureux de Valve aussi évidemment. Mais je pense que les amoureux de Valve connaissent déjà le jeu. Je recommande ce jeu aussi à ceux qui aiment bien les univers un peu futuristes, parce qu'on est vraiment là-dedans. Ceux qui aiment les robots, hein, voilà. Vous allez avoir aussi un mode coopératif, parce qu'évidemment, là, j'ai parlé du mode solo uniquement. Il y a une petite partie coopératif, et évidemment, après, il y a, vous pouvez, je crois, créer des niveaux, etc. Il y a pas mal de petits trucs. Et même si vous avez Steam, si vous achetez Portal 2 sur Steam... Il y a des extensions, je crois pas que ce soit créé par Valve directement, mais j'en ai vu une ou deux qui étaient vraiment très impressionnantes, notamment une avec un nouveau concept vraiment bien ficelé, et le jeu est très très dur, c'est le retour dans le passé. Vous allez avoir une petite manette qui va...
Alors le jeu s'appelle Thinking with a time machine, ce qui veut dire penser avec une machine à voyager dans le temps. Et vous vous retrouvez en fait à avoir des énigmes où vous allez devoir vous enregistrer vous-même en fait en train de faire quelque chose. Et cet enregistrement, après, vous allez l'activer en faisant autre chose qui va vous permettre. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais enfin, le j'ai fait, j'ai dû jouer 2-3 heures à ce jeu et c'est super dur. Enfin bref, Portal 2 est accessible à tout le monde. Il n'est pas non plus, c'est pas une difficulté non plus ancestrale. Donc il plaira à tout le monde, je pense. Ne serait-ce que pour découvrir l'univers et s'amuser avec les portails, déjà vous allez y passer, je pense, quelques heures avant de vous lasser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pas trop cafouillé, que je vous ai livré assez d'informations. Je dois dire que cette vidéo a été faite un peu dans le rush pour moi là, puisque depuis quelques jours j'ai un peu de mal à avoir un peu de temps pour faire des vidéos. Je voulais faire une vidéo sur Remember Me, mais ça s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que j'ai essayé de la faire 3 fois et comme mon logiciel bug à chaque fois, il ralentit même quand on baisse la qualité. J'ai impossible pour moi de faire la vidéo. Enfin voilà, donc j'espère que j'arriverai à faire la vidéo sur Remember Me, qui est aussi un excellent jeu, avec un excellent concept. En tout cas, moi, je vous laisse avec mes autres vidéos déjà. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau gameplay d'un lézard. Salut!